Le champion, le Paris Saint-Germain, accueille Caen 9e. Des Parisiens qui veulent se remettre de leur élimination en Ligue des Champions quelques jours auparavant. Une défaite 1-0 sur le terrain de Manchester City en quart de finale. Un PSG qui veut faire bonne figure face à des Canets qui espèrent profiter d'une éventuelle déconcentration parisienne pour prendre au moins un point. Des Canets privés du buteur maison Andy Delors blessé, tout comme Imoru, Ben Youssef et Kouakou. Les Normands sont joueurs dès le début de la partie, mais commettent des bêtises. Ballon récupéré par Zlatan Ibrahimovic qui ouvre le score à la 12e minute. 31e but de la saison pour Zlatan Ibrahimovic. Le match débute parfaitement pour le PSG et le meilleur buteur du championnat. Un PSG qui évolue sans David Luiz, Thiago Silva, Thiago Motta, Verratti ou encore Pastore. Ça n'empêche pas les Parisiens d'être plutôt dominateur. Mais attention, un éventuel retour au score Canet. Une bonne opportunité pour Ronny Rodelin face à Salvatore Sirigu qui remplace Kevin Trapp dans le but du PSG. Les meilleures occasions restent parisiennes. Ibrahimovic ne peut pas frapper sur cette action. Il va se transformer en passeur pour Blaise Matuidi dans les arrêts de jeu de la première période. 2-0 pour le PSG et 4e but de la saison pour Matuidi. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Le PSG a fait l'essentiel. Mais dès le retour du vestiaire, le club de la capitale ne semble pas tout à fait rassasié. Car les accélérations continuent. Un PSG qui parvient quelques jours après un coup dur dans sa saison et son élimination européenne à prendre du plaisir sur le terrain. Avec cette nouvelle possibilité sur le côté, Ibrahimovic s'empare du ballon. L'action se poursuit jusqu'à Edinson Cavani qui réussit à marquer son 15e but de la saison. 49e minute, ça fait 3-0 suite à cette action Ibrahimovic, Matuidi puis Cavani pour la conclure. 3-0 déjà, puis bientôt 4 avec Angel Di Maria. Le ballon lobé magnifique de l'international argentin. Le score est en train de gonfler dans de grosses proportions. Les Canets n'y sont plus. Eux qui ont fait un début de saison formidable. Mais la deuxième moitié de la saison est plus difficile. Ils sont déjà sauvés pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et ils subissent dans cette seconde période. Doublé pour Zlatan Ibrahimovic à la 56e minute. 32e but de la saison pour le géant suédois. Et il reste encore une action intéressante. Cavani pour Maxwell, entré sur le terrain 10 minutes plus tôt à la place de Matuidi. 76e minute, deuxième but de la saison pour Maxwell. Le PSG a déroulé et s'impose face à Caen sur le score de 6-0.